Salut les artistes, c'est Olivier. Alors je vous interceptionne quand même avant la fin de la vidéo pour vous expliquer un petit peu comment j'ai filmé ce petit court-métrage. J'espère que ça vous a plu. C'était la fête des Ménétriers à Ribeauvillé en Alsace. Un magnifique événement à ne pas louper si vous êtes dans la région. Alors j'ai filmé entièrement cette vidéo à la 6300, Sony A6300. Vous connaissez ce boîtier, je l'utilise dans tous mes petits courts-métrages et pour filmer certains de mes vlogs. J'ai filmé en 100 images par seconde, 1080p. J'ai pas du tout filmé en 4K parce qu'en fait j'étais pas stabilisé. Donc j'ai préféré filmer au ralenti entièrement. C'est pas forcément ce que je recommande de faire dans tous les cas. Parfois il faut filmer en 4K pour pouvoir faire des zooms à l'intérieur de votre image, du recadrage ou juste avoir une meilleure qualité. Mais là, je ne pouvais pas vraiment me permettre de louper certains plans, donc j'ai décidé de tout filmer en 1080p, 100 images par seconde, par sécurité. Au niveau de l'objectif, j'ai testé pour la première fois le 18-105 que j'ai depuis quelques mois, mais que j'ai jamais vraiment utilisé à ce point-là, donc j'avais que cet objectif-là, 18-105, avec un power zoom ici, qui me permet de ne pas avoir à tourner la bague ici pour zoomer, donc c'est assez pratique. Par contre, c'est un zoom électronique, donc c'est pas un zoom mécanique, ce qui veut dire que je peux tourner aussi vite que je veux, le zoom sera pas plus ou moins rapide, sauf ici, effectivement, le power zoom, lui, il est progressif. Petit défaut aussi de ce zoom-là, il est très bien, mais petit défaut, c'est que quand vous éteignez votre boîtier, l'objectif ne se rappelle pas quel zoom vous aviez de régler si vous étiez en focale large ou plutôt en téléobjectif, donc vous êtes obligé de re-régler votre focale à chaque fois que vous allumez votre boîtier. Et bien sûr pour la prise de son j'ai utilisé mon Rode VideoMic Pro avec sa petite moumoute, son Dead Cat, pour éviter qu'il y ait trop de bruit de vent pendant la vidéo et la prise de son. Autre grosse contrainte pendant ce tournage, c'était en fait l'endroit où je me situais. Il y avait tellement de monde qu'il était pour moi impossible au début, en fait, quand je suis arrivé, de me frayer un chemin pour être proche des gens, proche des chars qui passaient. Donc vous le voyez en début de vidéo, j'ai filmé majoritairement entre des gens, en fait j'aimais beaucoup faire ça, j'ai filmé des smartphones de gens qui filmaient, voilà, j'aime bien trouver des angles de vue comme ça, c'est pas non plus la chose la plus originale à faire, mais en tout cas ça marche bien, c'est assez sympa à voir dans une vidéo. Et afin d'enrichir un peu tout ça, j'ai essayé de varier les gros plans, les plans rapprochés, les plans larges, des plans vers le bas, vers le haut, voilà, essayer de mixer un peu tout ça pour un peu masquer le fait que j'étais moi très statique, contraint de filmer tout du même point de vue. Un peu plus tard, j'ai réussi à me déplacer et à avoir un angle en fait de l'autre côté de la rue qui m'a permis de faire des plans à contre-jour. C'est toute la deuxième partie de la vidéo et c'est super sympa à voir. J'étais vraiment content d'avoir ce deuxième angle de vue. J'étais assis par terre et je pouvais tout filmer avec un angle de base qui donne beaucoup de grandeur à l'événement et aux chars et aux gens qui défilent. Et en même temps, j'avais donc ce contre-jour qui me fait une très belle lumière. Donc voilà, j'avais deux endroits où j'ai pu me placer en fait pour filmer ça. Et après, tout le reste, c'est à la prise de vue. J'avais donc mon 18-105 qui me permettait de faire des plans larges et des plans rapprochés de façon très rapide et être très réactif avec ces différents types de plans. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que ce petit making-of de fin vous a plu aussi. C'est la première fois que je fais ça dans une vidéo comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu si tout ça vous a plu. En attendant, je vous dis faites de belles photos, faites de belles vidéos. Moi, je vais aller manger. Ciao !